Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma troisième vidéo de boss sur Paper Mario, la porte du millénaire. On s'attaque au premier boss dragon de ce magnifique jeu, il s'agit de Carbocroc. Moi je l'appelle Carbocroc, ça peut être Carbocro, je sais pas trop comment vous le dites, mais en tout cas, voilà ce troisième boss qui se trouve au sommet du château. Donc vous allez voir que ce boss est assez simple, il possède 20 PC, donc c'est pas énorme, et à la fin elle récupérera 10 PC, donc ça fait 30 PC en tout, c'est relativement jouable. Alors en fonction des niveaux que vous avez, moi personnellement à ce stade du jeu je suis niveau 5, vous avez plus ou moins de PC, de PF ou de PB. J'ai privilégié un petit peu les PB pour ma part, sachant qu'au niveau PC vous allez voir qu'on est assez large. Si vous arrivez bien à esquiver les attaques de Carbocroc, vous pourrez carrément parer avec A sans vous manger un seul point de dégâts, donc c'est relativement pas mal. Au niveau des badges, personnellement j'ai pris du coup Super Rebond, qui est vraiment très pratique pour infliger un grand nombre de dégâts si vous êtes précis. Avec les sauts avec A, cœur joyeux qui me permet de récupérer un petit peu de PV au fur et à mesure du combat. Vous pouvez en plus de ça rajouter PC+, si vous le souhaitez, et même d'autres badges qui sont assez assez sympathiques, comme par exemple dernière chance, ou enfin vraiment voilà, si vous le souhaitez, il n'y a pas grand chose à mettre. Et le plus important contre notre cher dragon, c'est de mettre le badge FX attaque A, donc qui permet de faire un bruit de grenouille. Donc c'est son point faible, vous l'aurez deviné, on a pas mal d'énigmes là-dessus dans le château. Donc du coup avec FX attaque A, vous allez diminuer sa puissance et augmenter la vôtre. Enfin voilà, ça va être très 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 pratique. C'est un badge à avoir que vous trouvez juste à côté de la pièce du coffre. Donc normalement vous passez devant, donc c'est vraiment un badge très simple à récupérer. Donc voilà, donc juste avant le boss vous avez un point de save, donc il faut absolument sauvegarder, et quelque chose pour récupérer tous vos PC et tous vos PF, et voilà. Donc, moyennant 6 pièces, donc ça va, c'est relativement abordable. Donc c'est parti, on va s'attaquer à ce boss, je pense que j'ai fait tous les prérequis. Donc n'oubliez pas d'analyser surtout le boss. Alors je vais passer tout ce qui est dialogue, hein. Comme d'habitude je vous montrerai ça dans ma partie d'histoire si ce n'est pas déjà fait. Hop. Voilà le mastodonte, donc ça c'est vraiment le premier boss que je trouve qui est vraiment imposant et qui fait un petit peu peur, mais voilà, qui est, vous allez voir, très très simple à battre. Alors j'aime vraiment ce style papier, c'est incroyable, on voit même à l'intérieur du boss, mais enfin les développeurs s'en foutent un petit peu, ils ont vraiment fait ça design papier quoi, ça j'ai trouvé ça génial. Hop, donc du coup vous commencez le combat. Alors vous pouvez commencer par un objet tel que par exemple un tonnerre si vous en avez, un pot ou voilà ce genre de choses si vous souhaitez infliger un petit peu plus de dégâts. Vous pouvez commencer par un coup fort ou très bien commencer par un super rebond. Personnellement c'est ce que je vais faire, vous allez voir que ça va, normalement si je gère bien ça devrait faire 4-5 points de dégâts. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez le champ des grenouilles, comment ça vêtue, donc là toute sa puissance est baissée et du coup elle va faire beaucoup moins de dégâts. Donc dès que vous avez le tour de Goumeli, vous faites un indique, donc tout simplement pour pouvoir analyser le boss, voir ses PV, ses points faibles, etc. Donc je vous lis pas, hein, là vous, comme je vous avais dit, PC max 20, puissance il me semble qu'elle est à 5, donc ça fait assez mal. Sauf que là, justement, avec les grenouilles, sa puissance est vraiment baissée et du coup, vous pouvez parer les coups sans même vous bouffer de dégâts. Donc là, lors de notre première attaque, on lui a enlevé 5 points de vie, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on recommence un petit super rebond. Voilà, donc 6 points de dégâts supplémentaires. Donc là, vous voyez que ça fait vraiment, vraiment super mal pour l'instant. Donc c'est toujours pas soigné et on sait toujours pas manger de dégâts. Avec Goumeli, vous pouvez enchaîner les coups de tête, ce qui est plutôt pas mal. De toute façon, vous prenez Coupec ou Goumeli, vous ferez que 2 de dégâts maximum avec toutes leurs attaques pour l'instant. On enchaîne 2 petits coups avec Goumeli. Attention au coup de patte qui est un petit peu plus dur à parer. Donc voilà, un point de dégâts, c'est pas non plus énorme. Donc ne vous en faites pas. Donc voilà, vous utilisez du coup super rebond une fois de plus. Donc si vous avez pas mal de PF, ça devrait très très bien se passer. Donc là vous voyez que je commence à en manquer, mais le boss il lui reste 4 PV. Donc ça se passe relativement bien, vous pouvez enchaîner. Continuez d'enchaîner quelques-unes de vos attaques, tout en faisant attention au boss, bien entendu. Voilà, bon là, le coup de patte, j'ai un petit peu plus de mal à le parer. Si jamais vous manquez de vie, vous utilisez Top Form pour récupérer des PF, etc. Vous pouvez même le faire dès maintenant si vous le souhaitez. Personnellement, je vais utiliser un simple saut. Voilà, donc le boss ensuite va nous poser quelques questions. Donc regardez, hop. Donc va pour 1000 pièces, donc elle vous propose 1000 pièces, donc il faut refuser. Donc comme vous l'avez lu dans la lettre du squelette qui était dans une pièce en bas du château, on vous dit croyez en vos convictions, donc en gros il faut refuser les 1000 pièces.
refusez le badge, super rare. Et enfin, vous refusez de lui masser les pieds, ou je sais plus trop ce qu'elle nous dit en troisième question. Et là, du coup, elle récupère 10 PC, hein, c'est son truc final. Et malheureusement, voilà, elle bouffe du public, donc vous voilà avec 0 de public. Donc là, ça va être un petit peu plus dur de récupérer de l'énergie étoile. Donc c'est le moment d'utiliser Top Form, mais vous ne pourrez pas le récupérer après. Donc, vous allez voir que c'est largement suffisant, avec 10 PC restants, on va lui mettre sa tôle. Donc là, vous vous battez à même la tribune, on va dire. Donc là, vous pouvez enchaîner du coup des coups normaux. Et vous voyez que ça libère du coup du public. Hop. Alors je regarde vite fait ce que j'ai en objet. Vous pouvez utiliser un sirop de miel aussi sur Mario si vous souhaitez voilà, récupérer des PF et continuer d'attaquer. Personnellement, je vais rester sur une stratégie de combat assez simple comme ceci. Donc là, elle nous met un coup de patte. Le timing est assez chaud, je trouve, pour cette attaque. Bon, après, voilà, comme je vous ai dit, ça enlève pas énormément de PV, donc on s'en plaindra pas. Alors ça, les projecteurs qui vous tombent sur la tronche, ça, je trouve ça génial, mais c'est très très dur à parer, je trouve. Hop, voilà, plus de 2 attaques. Et le boss sera terminé. Donc vous voyez, Carbocroc, pour le boss de fin du premier chapitre, n'est pas non plus incroyable. Donc voilà, même si vous parez aucune de ces attaques sans vous soigner, vous devriez pouvoir vous en sortir tant que vous avez le badge FX Attaque A. Donc le badge, en gros, qui vous permet de faire un bloutage de grenouille quand vous attaquez. Et donc, voilà. Et ce boss vous offre la modique somme de 30 points étoiles en étant au niveau 5, ce qui est énorme. Donc voilà, tout simplement, pour ce troisième boss de Paper Mario, la porte du millénaire. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire, de même que si vous avez des stratégies, n'hésitez pas à les poster, ça me fera super plaisir, ce sera utile aux gens qui passeront par la suite sur la vidéo. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Paper Mario, la porte du millénaire sur GameCube.